Bon, ben on a à son prix l'affiche, mais c'est la même chose que si on l'avait à son prix avant de l'amener. Ça n'a pas grand intérêt. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir moduler en mettant par exemple un dégradé du noir au blanc dans ceci, ou en utilisant la brosse de dégradé, qui en fait n'existe pas. La brosse de dégradé, c'est bêtement zoomer en arrière, prendre le pinceau, dessiner en noir avec une très grande brosse à bord flou. C'est une brosse qui fait des dégradés. Ben oui, une très grande brosse à bord flou, quand je dessine en noir, voilà, ça fait des dégradés. Donc il faut le savoir. Et donc grâce à ça, vous allez pouvoir moduler. Donc si je passe sur tout évidemment en noir, ben, le réglage n'agit pas du tout. Je repasse en blanc, il agit à nouveau. Donc vous modulez comme ça, c'est encore mieux que d'utiliser un dégradé. Et on avait dit qu'on peut même y aller en gris si on veut que à moitié ça, le réglage agisse à moitié. À moitié ou à 45%, etc. Voilà. Donc grâce à ces petites tâches que je fais là, j'arrive à mieux intégrer mon affiche dans le décor parce que il y a une. Mais comme dans la réalité, les objets sont pas éclairés uniformément parce qu'il y a plein de réflexions de la lumière. Le réglage niveau peut encore être modifié, bien entendu. Alors attention, le réglage niveau. Voilà. On peut encore modifier le réglage niveau, les deux choses qu'on avait mises au point là. Voilà. Par rapport à tout à l'heure, l'histogramme est minuscule parce que ça ne concerne que l'affiche. D'accord? Donc si avec ça vous n'arrivez pas à faire un truc bien, hein, en maîtrisant ça, vous allez arriver à faire des choses chouettes. Pas des chaussettes, des choses chouettes. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps.